Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Multigaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les suites de nos aventures sur God of War, Ragnarok, et là on est en compagnie de Kratos, et on a le retour de Freya qui est en aigle, et Brock qui s'est coincé dans une petite corniche, il s'est fait attraper par une plante. En tout cas, avant de poursuivre cette fantastique aventure, merci à ceux qui like, qui s'abonnent. Pour le développement de ma chaîne Multigaming, un grand merci à vous. Allez, c'est parti, on va poursuivre. Allez, Brock, qu'est-ce qui se passe, Brock? Ah non, c'est un piège, c'est un piège. Une tribu barbare, peut-être? Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Un étranger van. Ah, le frère de Freya, peut-être. Les Borgnes envoient un autre dieu faire le sale boulot? Thor est occupé? Nous ne servons pas Odin. Non? C'est pas exactement l'endroit pour flâner. Je me trompe? Oula. Ah, c'est les mêmes humains que dans le premier, mais oh, en mode vivant. Garde tes menaces, mon frère. Oh, je connais cette voix. Tu sais, je te couperais bien la tête. Mais on dirait que j'arrive trop tard. Ah, tu es perspicace, mon frère. Non. Non, je suis pas ton frère. Tu as vendu ma sœur à ce chien. Pour avoir la paix. Oh! Tu y crois? Où est-elle? Et où se trouve ma sœur? Dans un donjon d'Asgard? Est-elle au moins en vie? Réponds-moi. Touche pas, Mimir. Dans ce cas, le sang va couler. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose à sa voix? C'est moi, Yngvi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi. Ces hommes sont à mon service. Je suis là pour reprendre ce qu'on m'a enlevé. C'est trop tard. On ne peut défaire ce qui est fait. Je le peux. Crois-moi. Allez, laisse-les passer. Donc, vous servez ma sœur? Ouais, j'ai même tué son fils. J'ai tué ton neveu, mon gars. Tout va bien se passer entre nous. Comme nous tous. Détache-le. Le camp de frères. Alors, c'est comme ça qu'on traite ses vieux copains, vieille carne. Oh, tais-toi, blabeur. Allez. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Il a trouvé une gonzesse. Je vais rester tailler le bout de gras. Oh, ben voyons. Comme tu voudras. Mon frère, si tu veux bien, j'aimerais m'entretenir avec le seigneur Freyr. Freyr. Alors, l'heure des contes. Parler à Freyr. Ok, donc là... Brock, je rêve ou t'es en train d'installer ton atelier dans ma forge? Ah, direct, il a pas le temps, lui. Que j'ai pardonné aux jumeaux Picasso pour autant. On a tout réparé. Alors si tu veux aller te balader entre les royaumes, fais-toi plaisir. Pardon? Ma famille est ici. C'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais ça représente beaucoup pour moi. Pour moi aussi, je te ferais dire. Ou j'aurais pas pris la peine de me rabicocher avec mon empoté de frangin. Par les rayons de la lune! Je savais pas que les frères Uldre étaient de retour aux affaires. On habite même ensemble, comme une vraie famille. Alors, viens pas me faire la morale. Oh, oh, oh. Dans ce cas, donne-moi un coup de main à la forge pendant que tu me racontes tout ça. Dis-moi, Brock.
tu comptes me présenter le bidon de lait qui te sert de garde du corps? Le bidon de lait. Le bidon de lait, ouais. Lui, ils font trop rire. Mais tu peux l'appeler comme ça te chante. Kratos, Lunda, une vieille connaissance. C'est mieux que rien, j'imagine. Ok, c'est bon, vous avez terminé de parler. Ok, donc là, on vient de rencontrer le frère de Freya, qui s'appelle Freyr. Ça prononce quasiment pareil. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non. Et a priori, ils sont une petite bande, là, avec une naine, un gros barbare. C'est quoi, ça? C'est un cochon ou c'est un chien? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un chien. C'est un chien-cochon qui a bien mangé, je sais pas. On va explorer un petit peu, on va regarder s'il y a quelque chose rapidement aux alentours. Là-bas, il y a des coffres. Ah, c'est peut-être eux qui vont débloquer. C'est peut-être eux qui vont débloquer un nouvel objet pour pouvoir passer justement avec ces trucs de fumée là. Cela me rappelle un vieux chant de Vanheim. La berceuse. Bénie soient les pluies de Vanheim. Les paroles d'une chanson traditionnelle de Vanheim en Grèce, la pluie venait nous rappeler de vénérer les dieux. Les peuples de ces terres vénèrent-ils la pluie comme ils adorent leurs dieux? Ok, et là, non, on peut pas aller dans la flotte. Là, on peut traverser. Parfait. Ah non. Ok, il va me falloir encore un autre objet pour passer ce truc-là. Donc à mon avis, ça va être le frère ou le nain qui va me créer ça, je pense. On va voir ça. Bonjour, serviteur de Freya. Ne lui parle pas. Il est temps que tu t'en ailles, étranger. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Il n'y a pas de raison d'être désagréable. C'est quoi? C'est un elfe noir avec un elfe blanc, peut-être? Laisse-nous. L'amour interdit. Va t'occuper de ton oiseau. Va t'occuper de ton oiseau. Et toi, t'as quelque chose à me raconter ou pas? Ce camp doit rester sûr. Birgir. Compris. Je ne compte pas le mettre en péril. Non, il n'oserait pas. Bien. Il a la même épée que certains ennemis dans le God of War 1 avec une armure, avec une grosse armure, je me souviens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une petite zone de combat, une grande barque. Et encore toujours une zone magnifique. Ce jeu est magnifique à chaque fois. Il m'en met plein la vue. J'en ai marre de le dire, mais honnêtement, je suis obligé de le dire parce que j'ai pas le choix. Ce jeu est incroyable. Alors, on va rapidement voir la forge. Oui, c'est ouvert. Alors, armure, on peut faire quoi au niveau de l'armure? Alors, fabricable, spalière. Donc ça fait quoi? Les dégâts au corps à corps de Kratos augmentent en fonction de, sa rage. Les dégâts subis qui seraient normalement mortels sont absorbés par la rage disponible. Ok. Ah, celle-là, elle ressemble un peu... Ça ressemble beaucoup à dans le premier quand même. Les attaques runiques ou de reliques réussies renforcent progressivement les dégâts au corps à corps et à distance infligés par Kratos par tranche de 15%. Hop, ouais, ça bouge beaucoup de choses là. Bon, pour l'instant, ma petite lanière radieuse, elle est plutôt pas mal. On devrait pas tarder à changer, mais pas encore tout de suite. Ah, par contre, c'est de l'argent qu'il faut. J'ai 13 000 et il faut 5 000. Ah ouais, donc j'aurais pas l'argent pour tout faire. Ok. Oh là là, les ensembles sont tellement beaux à regarder sur le Kratos. Bah, quand tu veux. Ok, on peut commencer à acheter des minerais, des ressources, parfait. Et vendre artefacts. Allez. Hop. Équipement, ça c'est bon. Ressources, non, on a déjà regardé, c'est bon. Oh, alors je suis pas assez bien. Calme-toi. Alors au niveau des armes, est-ce qu'on peut améliorer? Flamme de glace, j'ai pas. Le pommeau augmente la défense. Ok, alors on améliore ça. Niveau 4, on peut pas le passer niveau 5. Ok, donc faut quand même regarder les caractéristiques pour savoir c'est quoi le mieux par rapport à notre style de combat. Alors les lames du chaos. Donc la lame, je ne peux pas l'améliorer. Le pommeau, je ne peux pas non plus. Non, au final, j'ai rien de mieux. Le bouclier. Je vais quand même fabriquer le petit bouclier. Ce sera pas de trop. On va quand même l'améliorer directement. On a ce qu'il faut en plus. J'espère que tu te sens remonté. On peut encore l'améliorer. Ça va les calmer un peu. Alors... Oula, attends, je suis plus 15 en défense. Au final, il est mieux. Il est mieux, mais par contre, il doit moins protéger. On va quand même le tester un peu. On va l'équiper. On verra ce que ça donne. Ça, je peux pas l'améliorer.
J'ai pas de nouveau rond d'expédition, ok. Et je rembourse pas. Ok, c'est bon. Allez, il est temps de parler au frère Afreya. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Est-ce qu'il va nous donner une quête à faire? Désolé, étranger, on est parti du mauvais pied. On a surtout l'habitude de croiser des as par ici. Les visages amicaux se font rares. C'est bien un visage amical, hein? Son nom est Kratos, et non. Les as sont à Vanheim? Ils occupent le royaume depuis... trop longtemps. Quel est ton plan? J'y travaille toujours. Mon frère, je crois que je peux me rendre utile. Si mon avis est le bienvenu. Je t'écoute. Dis-moi. Ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes. Reviens me chercher quand tu auras fini. Hé, hey Kratos, si tu travailles pour ma sœur, prends garde à ne pas faire d'erreur. Pardon, pas son point fort. Je crains que ce ne soit un peu trop tard. Très bien, voyons ce que nous avons là. Parle-moi de ton armée. Je viens de la rencontrer. Quoi, vous cinq? Contre toute l'armée d'Odin? Six, en comptant le chien. Oh, misère. Eh oui. Sais-tu combien ils sont? Oh, tu sais, nombre, manœuvre, avant-poste. On est bien renseigné, mais on manque un peu d'effectifs. Je vois. Eh bien, jetons un coup d'œil à cette carte. Alors, comment passe la porte? En la poussant, tout simplement. Donc on récupère pas tout de suite le nouvel objet là pour passer là-bas. J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Cette colère que tu ressens pour ton frère, je la connais bien. Tu as un frère? Son nom était Deimos. Quand nous étions enfants, il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie. Les dieux de ma terre ne laissaient que peu de vie sauve, et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu, il était trop tard pour me racheter. Sa haine s'était retournée contre moi, mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Penses-tu que ma colère soit injustifiée? Tu as à peine entrevu Freyr, et déjà tu prends sa défense. Je ne prends pas sa défense. Non. Tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien. Il parle de Deimos, du frère de Kratos. Donc ça, c'est pour la version PSP. Malheureusement, je l'ai pas faite. J'ai rien regardé, je sais pas du tout ce que c'est cette histoire-là. C'est un épisode que j'ai pas pu faire, malheureusement. Mais je sais que Kratos, il y avait un épisode avec justement son frère. Il s'était fait enlever par un autre dieu. Alors, ça, on peut toujours pas. Là, ça y est, on va pouvoir combattre. Métal travaillé. Ah, j'ai pas d'emplacement au niveau du bouclier, donc à mon avis, il doit... rapidement partir en freestyle le bouclier. À mon avis, je peux pas bloquer énormément, voire peut-être qu'une seule fois, voire faire que des parades parfaites. Allez, on continue. Qu'est-ce qui a pété là? C'est encore une plante qui a pété, ça. Regardez si on voit pas d'autres corbeaux d'Odin. On sait jamais planqué dans la faune et la flore. Et donc là, on était dans cette forêt normalement pour aller essayer de retrouver les pouvoirs de Freya. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que normalement elle peut plus voyager entre les royaumes. Ah, comme dans le premier. Alors, à mon avis, ça va être un ennemi, évidemment. Un ancien des bois. C'est parti. Allez, on sait comment on les combat.
c'est quand même beaucoup plus rapide à tuer que dans le premier. Ah, ça c'était pas prévu. Valser. Ah, c'est vrai que Freya elle ne m'aide pas du tout. Allez, on l'achève. On lui arrache le cœur. Et la tête même, pourquoi pas. Ça se voit tant que ça. C'est surtout les autres créatures qui ont failli m'avoir. Freya, elle doit se régaler du spectacle. Amélioration d'armes, flamme du chaos. Ah, ça y est, je vais pouvoir améliorer les lames du chaos. Ça, c'est génial. Donc là, je peux aller par là. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Allez, c'est par là. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu joues sur ma corde sensible pour que je te laisse vivre. J'essaie simplement de t'aider. Nous ne devrions pas reproduire les erreurs du passé. Épargne-moi le récit de tes erreurs. J'ai assez à faire avec les miennes. Merci. Donc là, on a vu, il y a un coffre par là. Ah. Eh ben, c'est reparti. Allez, venez mes petits, venez, allez, c'est pas fini. Ils ont pas beaucoup de vie ceux-là, ça va assez vite. Il commence à être bien déchaîné notre ami Kratos. Ah, il y avait un tronc à casser là-bas. Oh, c'est quoi ce truc-là? Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Des gulons. On a affronté des gulons. Ça, il y a toujours ce truc-là. Toujours se servir aussi de l'environnement. Ces trucs-là, c'est plutôt efficace quand il y a pas mal d'ennemis. Alors la suite de l'histoire, c'est par là. Tout le monde a toujours un conseil à me donner, alors que personne ne connaît rien de moi. La plus grande perte de ma vie est due au fait que tu m'as sauvé, alors que je t'avais expressément demandé de ne pas le faire. C'était ma famille, mon problème. Baldur n'était surtout pas parfait, mais il était à moi. Je sais. Le bois de Barry Est. Crois-tu seulement avoir la moindre idée de ce que c'est que de perdre un enfant? Oui, je le sais. Tu en as eu un autre. Avant Atreus? Son nom était Calliope. Calliope? Que s'est-il passé? C'était il y a longtemps. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû demander. Genre, elle lui pardonne alors qu'elle lui en veut énormément, qu'elle veut le tuer. C'est abusé, c'est abusé. Mais c'est quand même génial, là, on commence à... Il parle en plus des autres God of War, et ça, c'est... Ça manquait un petit peu dans celui de 2018, parce qu'il cachait la vérité à Atreus. Et là, il commence un petit peu à se dévoiler, c'est... Je trouve ça vraiment... Bien incorporé dans le jeu. Bon, quand est-ce qu'on récupère le pouvoir avec le vent, là, qu'on comprenne bien, là, parce que... On sache à quoi ça va servir. Oula! Esquive. On s'enfonce dans le bois, toujours avec Freya. Les Eneria. Les Vanheim sont des éléphants.
envoyer le corps à corps pour les finir. Qui c'est qui m'envoie des trucs là? Et venez vous battre là. Tiens, toi tu tombes déjà. Ah ouais, il lui coupe les deux bras, il lui laisse la tête. Il a pas de respect, Kratos. Il a pas de respect, ouais. Il y en a encore, mais il y en a encore, sérieux. Oh, mince, ben voilà, il y en a plus. Voilà. Allez. Encore une nouvelle. Encore un nouvel ennemi. Une nouvelle bestiole. Allez, on l'achève. Oh là 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 là. Eh ben, c'était long. C'était long à affronter. Il y avait beaucoup d'ennemis. Mais on a vaincu. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Freya? Plutôt balèze, non? Nous devons atteindre cette tour de guet. Elle s'en fout. Il nous faudra traverser la vallée, par ici. L'heure des comptes. Traverser la vallée pour rejoindre la tour de guet. Allez, hop. Je connais l'histoire de ton fils. Je dois te raconter celle de ma fille. Ah ouais, carrément. Au service d'un dieu cruel, j'ai détruit malgré moi un village. God of War 1. J'ignorais que mon épouse et ma fille s'y trouvaient avant que leur sang tache mes mains. J'ai juré de me venger. Je ne peux l'imaginer. J'ai fait payer leur mort 1000 fois, et j'ai réduit l'Olympe en cendres. Mais la culpabilité demeure. Tu me tueras peut-être, Freya, mais ça ne t'apportera pas la paix. Ce n'est peut-être pas la paix qui m'intéresse. Juste la vengeance. Juste la vengeance. Pourquoi as-tu refusé de m'affronter? Ce combat n'aurait mené qu'à une défaite. Qu'entends-tu par là? Je ne te veux aucun mal, Freya. Tu nous as aidés. Tu as sauvé Atreus de la maladie. Je ne voulais ni être responsable de ta mort, ni me résigner à mourir. Je vois. Tu as entendu ? Une Noken ! Si près du village ! Son chant rend ses alliés invulnérables. Ils ne te laisseront pas passer tant que tu ne les auras pas tous vaincus. Noken maudite, ok. Allez, on détruit nos ennemis. Magnifique. Bon, on retrouve quand même beaucoup les mêmes attaques que dans celui de 2018 quand même. On a quand même ça en plus. Détermination de givre. Qui est explosive. Et c'est quand même important de geler les ennemis ou de les brûler et après de changer d'arme pour enchaîner parce qu'on leur fait beaucoup plus de dégâts comme ça. Mais pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Je prends déjà énormément de plaisir comme ça. Alors, on arrive au village. Mon village. Tour de guet. Je le reconnais à peine. Tu
Le village de Freyr. Freyr et moi, nous jouions à cache-cache dans les champs. Nous passions une journée à voler du pain de miel. Lors des récoltes, nous dansions et chantions jusqu'au bout. Ok. Une drôle de manière de se promener dans le village. Où il y a encore pas mal d'ennemis là. Alors, on est où? Le village abandonné. Ok. La grande halle. Elle est en ruine. Puisse Freya ne jamais trembler. Il manque l'autre moitié. Puisse-t-elle toujours nous protéger? Attends. D'un vieux dicton. Depuis le début, il utilise le Mimir et puis là, il arrive à lire tout seul. Incroyable. Incroyable. Kratos ne sait pas nager. Je les entends à l'intérieur. Tiens-toi prêt à les éliminer. Allez. Ah, j'ai relâché là. Ah la vache, j'ai relâché ma défense. Allez, on résiste. En voilà d'autres. Efficace ce Kratos. Allez. Un contre un, ça se passe bien. Voilà. Bon. Ce qu'Odin m'a fait n'était pas suffisant. Il a aussi détruit tous les souvenirs. Estime-toi heureuse d'avoir de bons souvenirs de ton foyer. À Sparte. On est enlevé à son foyer dès l'enfance et on reçoit l'agogée. On marche où l'on tombe. On se bat pour des restes où l'on meurt de faim. On est battu par ses aînés jusqu'à ne plus tenir debout. La nuit, on rentre seul en tentant d'échapper au loup. C'est ainsi que grandit un Spartiate. Ouais, tu sais, en mythologie nordique, y a des choses, c'est pas mieux quand même. Les Spartiates, ils sont à plaindre, mais les Nordiques, il y a toujours des rudes histoires aussi. Hein. On traverse la porte. Ah!
a vu le petit passage. De plus en plus par rapport au début. De la Siena, plus simple et tout. Freya nous attend. Ces plantes sont semblables aux photos d'infamie qui se trouvaient autrefois dans les contreforts de Midgard. Et donc ? On peut passer ou comment ça se passe là ? Ok, comme dans le premier. Vu l'éducation que reçoivent les Spartiates, ce n'est pas étonnant que tu sois devenu ce que tu es. Ton destin est scellé dès le départ. Le destin peut être changé. C'est ce que je pensais. Quand les normes m'ont annoncé le destin de mon fils, j'ai cru pouvoir le changer. Tu sais bien ce qu'il en a été. Les Nornes, les moires de ces terres. Exact. Tu défies la prophétie à tes risques et périls. Alors, il est où? Il est là. Un bon petit coffre comme on aime. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Le bouclier d'étoile brisé. Alors, hop. Ah, un nouveau bouclier en mode carré. Qu'est-ce qu'il fait lui? Un bouclier destiné aux combattants mobiles voulant charger leur coup. Appuyez deux fois sur L1 pour donner un coup de boutoir et repousser vos ennemis. Chargez votre coup pour donner plus de puissance. Ah, il est directement niveau 4. Il augmente pas mal la défense, pas mal au niveau des runes. Ah, j'aime bien quand même le petit intrépide, mais on va quand même juste retester un petit peu celui-là. Juste pour voir un petit peu. Oh, ça charge. Oh, oh, lololo, c'est génial, ça, sérieux, mais tout ce qu'ils ont créé pour le jeu, c'est un truc de fou. Ils se sont fait plaisir. Atreus partagerait ton point de vue sur la prophétie. Il se rue aveuglément vers un destin prédit par les géants. Il disparaît deux jours, cherchant à prouver qu'il est leur champion, censé se battre au Ragnarok. Comment ? Je connais toutes les prophéties du Ragnarok. Aucune ne mentionne un champion des géants. Groa l'avait caché. Grâce à ce champion, les royaumes échappent au Ragnarok. Seul Asgard tombe, et Odin avec lui. Donc tout ce temps, malgré son obsession pour le Ragnarok, Odin en a manqué une pièce maîtresse. Oh. Bravo, Groa. Bravo, Groa. Ok, on peut monter aller. Qu'est-ce qu'on aime bien? Qu'est-ce qu'on aime bien, ça? On a fait un grand tour. On est parti par là, on a fait un tour gigantesque pour revenir juste à côté, quoi. Alors que le mec, il avait juste à traverser même pas un mètre d'eau, c'est abusé quand même. C'est un petit peu abusé. Il aime pas se mouiller, Kratos. Il aime pas se mouiller. Il aime le sang, mais il aime pas se mouiller. Atreus ne sera pas un pion de la prophétie. Tu t'opposes encore au destin? Alors même qu'il annonce la victoire? Je n'enverrai pas mon fils à la guerre. Ce n'est pas un Spartiate. Je ne veux pas que cela change. Je sais pas si j'ai raté des trucs ou pas là. J'ai sauté un peu vite. Tu me parles à moi de protéger ton fils. Mon drame ne t'a-t-il pas servi de leçon? Combattre le destin est une perte du temps précieux qu'on nous accorde auprès d'eux. Sans compter qu'à tout moment, l'on peut venir l'écourter. On arrive bientôt au niveau de l'objectif. Ah, qu'est-ce qu'on a débloqué là? Dégâts, étourdissement, éléments. Allez, on va mettre ça. Ok, ça s'est amélioré. Alors, ça a l'air d'être un petit peu trop loin là. Alors, l'heure des comptes. Trouver un moyen de traverser le pont effondré. J'ai compris. Ça,
on va pouvoir le mettre ici, on va pouvoir passer de ce côté-là. Voilà. Ah bah c'est bien, là ça a brûlé, parfait. Il y a déjà un côté qui a brûlé, c'est parfait. Allez, j'envoie à droite, je pense que ça a brûlé à gauche. Parfait. Là je tire vers moi en espérant que ça va en face. Ça a l'air d'être bon. Alors, continue à chercher la source de la malédiction. Ah bah, je continue, il n'y a pas de problème. Il m'en reste un là-bas allumé. Mais normalement, je devrais y avoir accès sans rien. Après avoir tué autant de dieux, comment quelqu'un comme toi peut-il encore craindre la guerre? J'ai vu trop de guerre pour ignorer le prix. Ah, mais je me demandais où il était le coffre. Il est là, parfait. Ah, on augmente la santé, c'est parfait. Oula, ça augmente pas grand chose, hein, franchement. Ça n'a pas augmenté grand chose. Là, on ramasse. Ah, c'est l'un des capitaines d'Odin. Fisk. Directement un boss. Allez, on y va. Le capitaine d'Odin, c'est parti. Il est temps de le mettre à terre. Oh, il lui a pété une côte, c'est sûr, il lui a éclaté une côte. Allez, il est bientôt mort, on l'achève. Voilà. On lui a appris comment se servir d'une faux, ouais. Et bah, combat de boss, en plus la zone elle est un petit peu fermée quand même. On a récupéré une relique. Alors elle fait quoi la petite relique? Lancer un chakra de Bifrost qui traque les ennemis. Bon, et juste pour tester, on verra ce que ça fait. Allez, on l'améliore niveau 2. J'ai perdu 2000 quand même. Ok, ça relance des sortes de shuriken. Allez, on a battu le capitaine d'Odin. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faisait dans ce bled. En tout cas, voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures avec Kratos et l'oiseau Freya. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, salut !